Voici la correction des dents en avant, d'une inclinaison trop importante vers l'avant ou un torque. On voit le cas avant, en fait lors de l'alignement pour trouver la place dans le clean shake align à avancer les dents. Pour le corriger, on va sélectionner toutes les dents de devant, donc on en sélectionne une, après on appuie sur CTRL pour pouvoir sélectionner les quatre dents qui deviennent blanches et agir à ce moment-là sur l'inclinaison des quatre dents. Donc pour l'incliner, on va forcément rentrer les incisives. On va voir que quand on rentre les incisives, elles vont descendre en même temps, elles baissent forcément. Donc comme elles baissent, ça va perturber la ligne du sourire, on les remonte. Puisque le centre de résistance est au milieu de la dent sur un clean shake, on les remonte, on trouve leur inclinaison. Donc là, on a fait un torque, une inclinaison coronolinguale. Donc on regarde que dans la ligne du sourire, ce soit bien correct. Donc on a vu que du coup, il y a un petit chevauchement qui s'est créé au niveau des canines. Vous voyez? Alors l'algorithme d'Allen, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on repositionne la dent, il repositionne toutes les dents autour pour gagner la place. Donc soit il les recule, il les remet en place, ou alors il va nous déterminer une quantité de stripping. Donc là on voit qu'on a réussi à remettre l'inclinaison correctement. On va réutiliser chacune des clés de l'alignement du sourire pour être sûr que la correction de cette inclinaison des incisives et les conséquences que l'algorithme a créées sur les dents autour permet de recorriger. C'est pour ça que je dis toujours que une fois qu'on a fait une correction, il faut revenir à la clé numéro 1.